Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un duel épique d'ouverture de deck. À ma gauche, nous avons l'appel des archontes qui forge un deck en français et à ma droite, nous avons Keyforge Call of the Archon, un deck en anglais. C'est surtout essentiellement une vidéo où on va découvrir deux decks ensemble, mais aussi où on va pouvoir un petit peu pour vous comparer les cartes en anglais et en français et leurs traductions. Ce ne seront pas évidemment les mêmes decks vu que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, mais c'est simplement un petit peu pour vous permettre à vous d'analyser ce que vous préférez, l'anglais ou le français. Nous allons commencer en anglais et nous irons vers le français. Je prends le petit deck français, je le décale vers le côté, je prends le petit deck anglais et nous avons. Alors, je vous le mets là, désolé pour le focus, il se fait. Nightmare, Sea, Brexit. Bon, ça envoie un petit peu plus en anglais quand même les noms, quand on sait les prononcer, ce qui n'est pas mon cas. Alors, je cache le QR code, voilà. Et on regardera de toute façon la liste après, ça ne sert à rien. Découvrons ensemble. Stone Knight, plus de power quand il est sur les flancs. Nous connaissons, nous en avons deux, c'est très sympathique. Ready Knight capture 1 et quand il joue et capture 1. Je vais mettre les créatures à chaque fois un petit peu. Hein. Lady's Maxena, elle est très bien celle-là. J'aime bien quand on la joue, elle stun une créature et on la renvoie dans sa propre main quand on fait cette action. Très sympa. Grigmonk, chaque créature alliée gagne plus 1 d'armure. C'est très très fort. Pardon pour le petit mouvement. Champion Anaphel avec Taunt. J'allais dire, j'ai que des créatures en Sanctum. J'ai quand même deux Whispering Reliquary. Ça renvoie un artefact dans sa propre main, ça renvoie un artefact dans sa propre main, ça peut être sympa à voir. Oh, ceci. Je la sacrifie et je détruis un artefact. Très bien, il y a très peu de choses justement que je disais dans Keyforge qui détruisent des artefacts. Donc les artefacts, on les met là. Là, je mets les créatures et les artefacts, comme ça, vous voyez. Ceci est une action qui me permet de capturer à chaque fois que des créatures vont se battre. Picoted, je vais mettre les actions juste ici en dessous. Et Glorious. Pour chaque créature que mon opposant contrôle, en plus que moi je gagne 1, ça c'est très sympathique aussi. Ok, nous avons que 2 ambres actuellement. Alors, en 10, la terreur en créature qu'on connaît très bien, très sympathique. Tentacus qui fait payer quand il veut utiliser des artefacts. Donc on a un deck qui contrôle les artefacts, hein, pour l'instant de ce que je vois. Alors, shooter 4 ou plus, j'aime bien avoir terreur et shooter, pardon. J'aime bien les avoir tous les deux parce que du coup, ils sont utiles dans des situations différentes. On en a deux, c'est sympa, c'est des grosses créas. Umber Imp, j'aime beaucoup aussi, ça peut très vite emmerder son adversaire s'il ne sait pas les contrôler. Charrette pour faire du contrôle, génialissime, j'aime beaucoup. Pandemium, chaque créature qui n'est pas endommagée va capturer un de son opposant et ça fait gagner un d'âme, c'est une action, ok, sympa. Une action qui détruit une créature qui n'est pas sur les flancs, très sympa. Éphir qui renvoie une ennemie créature dans sa propre main, donc j'ai du contrôle quand même de board. Je peux choisir un humeur, ça j'aime beaucoup aussi. Dance of Doom, je choisis un numéro et je détruis chaque créature qui possède la puissance de ce numéro, la puissance notée sur la carte. C'est vraiment vraiment bien ça, c'est très très fort. Et c'est une action, hein. Je regarde un petit peu. En autre action, je choisis une carte, une maison, et mon opposant devra l'activer. J'adore cette carte contrôle de Wick, elle permet vraiment, si vous anticipez bien, si vous réfléchissez bien, eh bien ça va vous permettre de quasi faire perdre un tour à votre adversaire, ce qui est très fort. Et ceci, je défausse la première carte du deck de mon opposant, et il remonte et me révèle sa main. Je vais gagner 1 d'ambre pour chaque carte défaussée de cette manière-là. Et mon opposant refait exactement la même chose. Il y a vraiment une super manière de la jouer, c'est quand vous avez plus que très peu de cartes en main, voire une seule en main, eh bien, du coup, vous jouez ça, il y a très peu de chances qu'il gagne beaucoup d'ambre. Très très fort, fair game. Et c'est une action, donc on a quand même quelques actions. Hein. Oups. Alors ensuite, cette créature, c'est un upgrade, gagne Destroyed, oh là 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 là, désolé. Je renvoie cette créature dans sa propre, dans la main. Et elle fait 3 dégâts à chaque autre créature en jeu. Je vais créer une petite zone upgrade, il ne devrait pas y en avoir trop. Cette créature gagne plus 5 de power, ok. Ward, Rumour, quand je la joue, je renvoie toutes les créatures Bromnar dans ma main, ça c'est très sympa. Ça, très fort, ça détruit toutes les créatures qui ont 3 pouvoirs au moins. J'adore toutes les cartes, hein. Vous le remarquez dans toutes mes vidéos, j'adore toutes les cartes quoi qu'il arrive. Radiant Fight with a Friendly Creature, c'est un artefact que nous allons placer par ici. Un autre artefact qui nous permet de Radiant Fight with a Friendly Creature, ça j'aime beaucoup, Gauntlet. Ceci, c'est un artefact qui dit que chaque créature alliée gagne plus 1 pouvoir. Très 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 fort. C'est une étoile. Je suis pas fou. Je fais le petit focus pour vous montrer la petite étoile. 30 secondes. N'attendez pas. Ne vous stressez pas. Ça arrive. Voilà la petite étoile.
Toile, désolé pour le petit bug. Il n'est pas d'accord. Voilà, hop, on refait comme ça. Reviens-nous. Warsong. Alors, jusqu'à la fin du tour, je vais gagner 1 à chaque fois qu'une créature alliée va fight. C'est une action. Et une autre action qui me permet de défausser la première carte de mon deck juste à temps d'arriver à une créature Bromnar et de la prendre dans ma main. J'aime beaucoup ceci. Ça me permet vraiment d'aller chercher des créatures et de faire un bon tour. C'est un tour d'action. Et nous avons Kowar-en qui détruit toutes les créatures non endommagées. Et enfin, Blood Money qui fait 2 de la réserve commune sur une créature ennemie. Donc c'est un peu comme si une créature capturait 2, mais pas de chez moi, mais de la réserve commune. C'est une action et une action. Nous pouvons observer que. Alors, j'essaie de les reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 cartes me font gagner de l'ambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très peu. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 artefacts. Je sais que je n'en ai pas repris et je vais essayer de refaire le focus parce qu'il ne le fait pas toujours. Et nous avons une quantité assez forte de créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, ce qui me paraît équilibré et on a un grand nombre de cartes actions diverses et variées pour ce premier deck que nous venons de découvrir et nous allons tout de suite passer au second afin de comparer les decks anglais et les decks français. Nous ferons même un duel plus tard contre deck anglais contre deck français. Je vous remonte, c'était Nightmare 10 Sanctum Bromnar. Découvrons le deuxième deck. J'adore ouvrir les decks, c'est incroyable, c'est trop bien. Qui forge l'appel des archontes, découvrons en français. Tadadadada. Ace, architecte. Alors je fais le petit focus s'il veut bien. Architecte de Flogbar. C'est du Sanctum, de Entamed, mais pardon, je dois dire Indompté en français, et du Logos. Je vais enlever ceci, et attention, attention, la petite carte. J'essaie de faire le focus comme ça, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Hop, 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 voilà, hop, disparu. Découvrons ensemble, c'est beaucoup plus sympathique quand on découvre toutes les cartes ensemble. Sorcière de l'œil, renvoyez une carte de votre défausse dans votre main extrêmement fort comme créature. Sorcière chasseresse, je l'adore, elle fait gagner 1, elle est très forte. Nous avons Champignum, Champignum, j'aime bien les trades quand même, hein. Elle gagne plus 3 en puissance pour chaque clé non forgée en votre possession, c'est super fort. Et surtout en début de partie. Murmok, toujours utile pour embêter. Ah! Froufrouteux! Votre adversaire gagne 1, mais nous on gagne 2. Ah, oh, j'aime beaucoup! Avec lutin, poussière, j'espère avoir une full moon, là je vous explique. J'espère, hein, parce qu'avec cette carte et cette carte-là, s'il y a une full moon, ça peut faire des combos de malade mental. En plus, avec la sorcière. Je suis désolé, j'imagine déjà tous les combos, mais c'est parce que j'aime beaucoup les Untamed. L'ours vénérable, ok, qu'on commence à connaître, très grosse créature, très fort. Manœuvre nocturne que j'aime beaucoup, qui permet d'incliner, pardon, jusqu'à 3 créatures. L'appel, renvoyer 3 créatures dans la main de leur propriétaire, ça peut faire des combos de malade avec justement Froufrouteux et Full Moon. J'espère vraiment les avoir. Clé en surtension, c'est génial. Ça me permet de perdre 1 et si je le fais, je peux forger une clé durant mon tour. Vu les grosses créas que j'ai essayé, c'est parfait. Et chasse en meute, malheureusement pas de Full Moon, mais avec clé en surtension et ceci et tout ce que j'ai pris en main, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et je regarde, j'ai bien mis mes actions au bon endroit. Découvrons à présent les cartes Sanctum. Alors, c'est une amélioration qui dit que quand cette créature est située sur un flanc, elle gagne plus d'ans d'armure, plus d'ans puissance, et en plus vous fait gagner 1 d'ambre. Deux épaulières, c'est très sympathique, on va mettre les améliorations là. Protéger les faibles, cette créature gagne plus 1 en armure, en provocation. Très sympa si vous avez des petites créatures à vouloir protéger sur les côtés. Sekis, moisson capturé 1, c'est une 4-2, très sympa comme créature. Protectrice, je l'aime bien parce qu'elle peut moissonner et donc full heal une créature. Francus, qui permet de capturer un petit peu, qui est une grosse créa. Commandant Rimmel qui nous permet d'utiliser d'autres créatures. Oh, la championne Tabriz, c'est une 6-2. Elle capture 1 quand elle combat. J'aime beaucoup. Avec une prise d'otage comme action qui va nous, pour le reste du tour, à chaque fois qu'une créature allie combat, va capturer 1 et nous faire prendre 1, gagner 1 d'ambre. Avec prise d'otage, 2 prises d'otage, très sympathique en action. Nous avons une poignée d'élus. Pour chaque créature de votre adversaire en surnom par rapport au vôtre, gagnez 1. Vous vous souvenez, on l'a vu de l'autre côté, je vous invite à revoir dans la vidéo si vous voulez voir la traduction en anglais. Et nous en avons 2 ici, pas mal du tout. Passons au Logos. Alors, nos logos, qu'est-ce que nous avons? Archivez une carte au sommet de votre deck. Simple, efficace, qu'on s'est détruit. Qu'avons-nous d'autre? Quicksault, l'aventurier, escarmouche et combat, piocher une carte. J'aime beaucoup. Archiviste Ganymède, archivez une carte. Très sympa. 2 fois. Donc, 3 fois. Wow, boum, boum, boum. Ah,
Le petit Dextre, on en a un. Moi, je le trouve sympa. Il peut sauver la partie. Maintenant, il y a des personnes, je sais, qui l'apprécient un petit peu moins. C'est pas grave. On le place au sommet de notre deck quand il est détruit. C'est ce que les gens apprécient un petit peu moins chez lui. Mangeur de cerveau, après qu'une créature ait détruit ton combat, le mangeur de cerveau pioche une carte. J'aime beaucoup. On a beaucoup de monstres. Hein. Ah, un artefact. Je purge une créature en jeu. Et si je le fais, votre adversaire prend le contrôle de la boîte de Pinder. Si la boîte de Pinder quitte le jeu, ramenez en jeu toutes les cartes qu'elle a purgées. Oh, assez sympa à voir. J'ai un premier artefact très tricky, hein, très très tricky. Nous avons ah, un éclair jumelé. Ça, j'aime toujours. Inflige 2 points de créature ah, et 2 points de dégâts à une autre créature. Toujours sympa. Faire des petits blasts, c'est important. Activation à distance. Utilisez un artefact de votre adversaire comme s'il était à vous. Parfait comme activation avec la boîte de Pinder ou de Pinder. À vous de voir la traduction que vous préférez. Et en plus, ça nous fait gagner un dent. Oh oui. Accès à la bibliothèque, ça j'adore. Pour moi, c'est une carte indispensable en Logos qui, pour le reste du tour, à chaque fois que vous jouez une carte, nous permet de piocher une carte. Je vous explique. N'oubliez pas que dans l'ordre, vous devez d'abord piocher une carte avant de jouer autre chose. C'est important. Et enfin, pour le reste du tour, tout l'ambre que vous devriez gagner en moissonnant est volé à votre adversaire. Ça peut toujours être très sympathique. Nous observons ici que nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Il faut me laisser le temps de les prendre. Hein. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes qui me permettent de gagner de l'ambre. Je n'ai pas oublié les deux créatures. 9, 10, 11, 12, 13. Donc nous avons 13 d'ambre. Nous avons un seul artefact. Nous avons un bon nombre d'actions. Et nous avons un très grand nombre de créatures. Nous allons pouvoir le comparer par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 créatures qui clôt ce deck et cette petite ouverture de paquet. J'ai beaucoup de decks à vous ouvrir, donc je ne sais pas un peu trop comment je vais faire pour les decks. Mais voilà, j'en ai plusieurs à pouvoir vous ouvrir. Dites-moi en commentaire quel est le deck qui vous plaît le mieux. Et si vous avez des petits commentaires sur les traductions françaises, anglaises, n'hésitez pas, c'est l'endroit pour, c'est une vidéo pour ça. Restez évidemment constructif et positif, s'il vous plaît. Ace, architecte de Flogbar ou Nightmare Sea Brexit. J'essaierai peut-être sans doute de faire une vidéo combat, duel entre l'anglais contre le français. Nous avions du Sanctum, du Indompté, du Logos et du 10, du Sanctum et du Bromnar ici. Je vous remercie pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous plaît de découvrir un petit peu l'ouverture de deck. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, comme ça s'est passé de manière très simple, sans partir dans trop d'explications stratégiques. J'aime bien le faire comme ça, je vous montre en brut et en simple, fidèle à ma manière de faire mes vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo justement. Bisous, bye bye!